Salut tout le monde, c'est Gégère. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on est lundi 14 juillet. Donc j'ai fait trois brocantes ce week-end. Donc vous allez voir un peu ce que j'ai acheté. Donc je commence avec le premier vide-grenier où j'ai acheté deux jeux de GameCube et un jeu PlayStation 2. Donc premier jeu, les Urbs sur GameCube. Il est complet, c'est bien. Deuxième jeu GameCube, c'est le SSX3. Hop, il est complet aussi. Et le jeu de Play 2, c'est Sega Classic Collection. C'est histoire inoubliable du jeu vidéo, enfin bref. C'est des classiques de jeux Sega refaits sur PlayStation 2. Et il est également complet. Donc ça, je ne trouvais que ça dans le premier vide-grenier, mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de monde, pas beaucoup de déballage. Donc là, j'arrive au deuxième. J'ai trouvé trois jeux de PlayStation 1, déjà pour. Alors, Ultimate Invasion, bah, Ghostbuster, c'est SOS Fantôme, quoi, pour nous les Français. Donc voilà. Il est complet avec sa notice. Donc voilà. J'ai pris un autre jeu de PS1. J'ai pris L'invasion vient de l'espace. Alors, je connais pas du tout ça. Bon, bah, par contre, c'est pas, il n'y a pas de jaquette avant, c'est la notice, et avec le jeu. Mais bon, quand vous voyez la notice, ça a l'air d'être bien marrant. Et un troisième jeu de PS1 que j'ai pris, bon, j'ai pris c'est vraiment pour la collection et parce que c'était pas cher, hein, parce que j'y jouerai jamais, ça c'est sûr. Hein. C'est Guirou Football Manager. Bon, ça, je vous dis, c'est vraiment pour la collection. Hein. Et il y a la boîte est cassée, la notice et le CD, mais il n'y a pas la jaquette. Donc voilà, les trois jeux de PS1 à 3 euros, bon, 1 euro le jeu. Donc voilà, je ne me suis pas ruiné. Donc j'arrive à un stand où il y avait plein de choses Pokémon. Donc là j'ai tout dévalisé, vous allez voir. Donc on commence par une Pokébox Macronium. Alors là, regardez un peu le nombre de cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est intéressant quand même. Donc, j'ai pris tout un lot, je vais vous dire le prix à la fin. Il y avait aussi des magazines Pokémon, donc voilà. Il y a des Pokémon Yu-Gi-Oh! Bon, Yu-Gi-Oh! Je m'en fous un peu, mais c'est plus Pokémon moi qui m'intéresse. Il y avait aussi des livres, mais des grands livres, regardez. C'est des livres en forme de BD. C'est vraiment, c'est quand même des beaux livres, regardez. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Il y a celui-là et celui-là. Voilà, 4 beaux livres quand même pour la collection Pokémon, c'est sympa. Donc, et pour finir avec les Pokémon, il y avait des peluches. Bon bah, je vous montre vite fait, hein. Le Dracaufeu, le Ronflex, ça devait être Altaria, je crois, oui. Le Mewtwo, ça c'est Aeromite, je crois, oui. Le Léviator, le Tétarte, le Nosferapto, le Ectoplasma et le Air Bizarre. Donc, tout ce que je vous ai montré là en Pokémon, elle m'a fait tout le lot à 15 euros. Bon, j'ai dit, bon, 15 euros, ça va, c'est très très correct. Donc, j'étais assez content de cette trouvaille. Et sur le même stand, il y avait vendu un peu de jouets, et du coup, je lui ai pris ça. Je lui ai pris un Mario Kart, quoi. Ça, c'est vraiment pour mettre en décoration sur mes étagères, quoi. Donc voilà. Et le kart, il me l'a fait à 2 euros. Donc voilà, je continue par deux jeux Xbox que j'ai trouvé à 2, bah, 2 euros chaque jeu, 4 euros les deux. C'est le Max Payne 1 et Elder Scrolls 3 Morrowind. Donc celui-là, je suis vraiment très très pressé de le commencer. Je crois même que je vais m'y mettre dès ce soir. Et, ah oui, je vous ai pas fait voir. Oh, pardon. Hop. Ils sont complets, le Morrowind, il y a même la carte avec. Le Max Payne, hop, il est complet aussi. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, 4 euros les deux. Donc, je pense que c'est vraiment des prix très raisonnables. Donc, hop, un autre stand, il y avait pas mal de cartouches de Game Boy, un peu de tout, bah, pas en cartouches. Et j'ai trouvé le Pokémon Pinball. Regardez, dommage, il n'y a pas le cache-pile là. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu de flipper. Et en fait, la pile, ça fait vibrer la console, quoi. C'est juste ça la fonction. Mais bon, il n'y a pas le cache-pile, c'est pas grave. Sur Game Gear, ça fait longtemps.
le Sonic 1, le Aladdin, et là, c'est plus intéressant, le Livre de la Jungle en boîte. Et il est complet. Hop. Il y a la notice. Hop. Et il y a même le jeu sous plastique. Hop. Bon, j'en mettrai après, c'est pas grave. Alors, hop. Le Pokémon et les trois jeux. Pokémon et les trois jeux Game Gear, elle me fait ça à 5 euros. Bon, alors, 5 euros, c'est vraiment c'est génial de trouver des jeux en plus en boîte de Game Gear. C'est une belle occasion. Donc on va finir avec mon dernier lot. Où que le vendeur il vendait pas mal de jeux Mega Drive et Master System. Donc j'en ai pris un de chaque. Bon, parce qu'il n'y avait pas non plus des super titres. Sur Mega Drive, j'ai pris le Power Ranger. Par contre, celui-là, il n'y a pas de notice. J'en ai pris un autre sur Master System. J'ai pris le Pac-Mania. Ouais, Pac-Man. Hop. Et celui-là non plus, il n'y a pas de notice. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Oh, sinon, il m'a donné ça. C'est un CD avec des démos de Saturn. Bon, gratos. Et là, un jeu, c'est complètement. Je connaissais pas du tout. C'est un jeu qui va sur une console Philips VG5000. Regardez un peu ce jeu. Sur la VG5000. Donc, ça s'appelle Le Monstre Space Monster. Ouais, et regardez à quoi ressemble le jeu. On dirait une cassette audio, des vieilles cassettes audio. Et ça, elle m'a dit, non, c'est un jeu sur une console, VG2000. Et j'ai fait des recherches sur Google, évidemment, c'est une console, et elle n'avait pas menti. Mais bon, à retrouver une console VG5000 Philips, ça va pas être facile à mon avis. Donc... Hop, que je reprenne vous. Alors, les Mega Drive Master System, la démo gratuite. Et ce jeu-là, 7 euros. 7 euros, ça va. Je sais pas du tout combien que ça vaut, ça. Je sais pas si c'est du rétro qui cote ou pas. Je sais pas du tout. Et voilà. Et j'en ai fait une aujourd'hui. Comme aujourd'hui, c'est férié. Il y avait aussi des brocantes. J'en ai fait une. Elle était assez grande. Il y avait pas mal de monde. Mais malheureusement, j'ai trouvé qu'un seul jeu. Mais bon, c'est un bon jeu quand même. C'est Resident Evil Outbreak sur PlayStation 2. Donc voilà. Je l'ai acheté à un revendeur. Quand je voyais, il avait un bac de jeux PS2. C'était marqué 5 euros le jeu ou 8 euros les deux. Bon, voilà, j'ai dit, bon, je vais prendre celui-là. Hop, je donne un billet 10 et lui, il me rend 6 euros. Donc en fin de compte, je ne l'ai payé que 4 euros, je n'ai pas payé 5 euros. Donc, 4 euros le Resident Evil Outbreak. Donc... Voilà, et ben j'ai fini ma vidéo épisode 10 de mes achats de vide-grenier. Comme d'hab, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve très prochainement pour une vidéo achat internet et magasin. Puisque là, j'attends encore des jeux et je vous fais la vidéo. Allez, à plus tout le monde.